Sheila est de retour sur le devant de scène. Le 2 avril dernier, la chanteuse dévoilait Venue d'ailleurs, son dernier album. Un nouvel opus, dans lequel la star rend hommage à son fils, Ludovic Chancel, décédé en 2017. Ce dernier avait une fille, Tara Rose, que Sheila a rapidement pris sous son aile. Mais Annie Chancel, de son vrai son, refuse de parler publiquement de sa petite fille, préférant la préserver du monde médiatique. C'est du moins ce qu'elle a laissé entendre dans une interview parue dans les colonnes de Nous Deux. Je n'aborderai pas ce sujet parce que j'aimerais qu'on lui foute la paix, comme à son père, a-t-elle déclaré. Lassée par les rumeurs au sujet de son fils, Sheila tient à défendre sa mémoire. Jen et Asequon racontent des histoires qui font juste vendre. C'était un garçon et un homme au grand cœur. Je voudrais simplement qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse dans la lumière, a-t-elle indiqué. Sheila, sa pensée pour les mamans qui ont perdu un enfant, dans son album Venue d'ailleurs, Sheila présente le titre Cheval d'Angle, un morceau qui raconte un drame épouvantable et qui permet à toutes les mamans qui ont perdu un enfant de se reconnaître à travers les mots. Pour la star, il était inconcevable de sortir un nouveau projet sans parler de Ludovic Chancel, sa principale source de motivation. Mon fils est la chose la plus importante de ma vie, donc il n'était pas possible de faire un album sans parler de lui, a confié celle qui va bientôt fêter ses 60 ans de carrière. Un album intime, qui lui permet ainsi de mettre des mots sur ses mots.